Bonjour, là nous allons commencer la deuxième leçon de la deuxième unité et c'est concerné par la réflexion des ondes sonores. Quand on parle de la réflexion du son, tout rayon, soit sonore ou lumineux, quand il tombe sur une surface réfléchissante, il doit se réfléchir dans le même milieu sous forme d'onde réfléchie. Alors, avant de commencer, il faut connaître un peu à propos des lois de réflexion du son. La première loi, c'est l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. L'angle d'incidence, c'est l'angle qui se trouve entre le rayon incident et la normale élevée de la surface réfléchissante. Et l'angle de réflexion est l'angle qui se trouve entre le rayon réfléchi et la normale élevée aussi. Donc ces deux angles, ils sont de même valeur. Ils sont tous les deux égaux. La deuxième chose, ou la deuxième loi à connaître, c'est que le rayon incident et le rayon réfléchi, et aussi la normale élevée, tous les trois se trouvent dans le même plan, perpendiculaire sur la surface réfléchissante. Ils sont tous dans le même plan et du même côté. Quand le rayon sonore qui tombe sur une surface réfléchissante de manière perpendiculaire ou verticalement sur la surface réfléchissante, il se réfléchit sur soi-même. Donc il n'y aura pas d'angle d'incidence, il n'y aura pas d'angle de réflexion. C'est quoi l'écho? L'écho, c'est la réflexion des ondes sonores sur une surface réfléchissante de manière répétitive. Les conditions pour que l'écho se réalise, la première chose, c'est la présence d'une grande surface réfléchissante, comme les montagnes et les grandes étendues d'eau et les grandes parois ou les grands murs. La deuxième chose, le temps passé entre le son initial et l'écho ne doit pas être inférieur à un dixième d'une seconde. Pourquoi cette petite durée? Parce que tout simplement, l'oreille de l'homme continue à percevoir le son pour un dixième d'une seconde après son arrêt. Et puisque la vitesse du son est 340 mètres par seconde, donc il parcourt 34 mètres dans 0,1 seconde. Aller, retour, incidence et réflexion. La distance minimale entre la source sonore et la surface réfléchissante est 17 mètres. C'est la moitié du trajet effectué par le son dans le dixième de la seconde. Et aussi, c'est multiple. Et c'est comme ça que le son, il peut se réaliser. Si on n'a pas au moins les 17 mètres, il n'y aura pas d'écho. La vitesse du son, V, est égale à 2D sur T. D, c'est la distance entre la source et la surface réfléchissante, et le T, c'est le temps moyen de l'écho. Voilà un petit exemple que vous vous entraînez à le résoudre. La concentration du son. Quand le son cogne une surface concave, ses rayons se réfléchissent et se rassemblent vers un point. Et ce point, on l'appelle le foyer. Et à ce point-là, le son est au maximum, à une intensité maximum. C'est le foyer. C'est là où tous les rayons sonores se croisent, ce qui renforce le son. Un phénomène appelé la concentration du son. Et c'est ce qu'on remarque dans les lieux de culte, comme les grandes cathédrales ou les grandes mosquées. Il y a toujours une grande coupole au milieu.
Et la plupart du temps, quand le prêtre, par exemple, ou l'imam de la mosquée, quand il fait son discours, il doit s'approcher de cette grande coupole, où il se met pratiquement près de la coupole, pour que le sang se concentre de cette surface concave de l'intérieur vers les auditeurs qui se trouvent en dessous de la coupole. Et c'est aussi la même raison pour laquelle un fennec et un daim, ils ont des oreilles de cette forme-là, plus ou moins concave vers l'intérieur. Ce qui permet aussi que ça concentre les sons, les moindres des sons qu'ils arrivent à entendre dans le milieu, et comme ça ils arrivent à intensifier, ou ça leur permet d'intensifier le son qu'ils entendent, et ils entendent le moindre bruit que nous, humains, on n'arrive pas à entendre. Dans les usages des ondes sonores, ça nous permet aussi, ça nous permet de d'estimer les profondeurs des mers, des océans et aussi des fleuves, et ça nous permet aussi d'estimer la présence des bancs de poissons en dessous. Pour commencer, en ce qui concerne l'estimation des profondeurs, là, par exemple, un bateau qui fait la croisière ou qui navigue sur un endroit dans la mer ou dans l'océan pour ne pas cogner un iceberg qui est caché et qui est, par exemple, un sous-marin en dessous. Donc, il faut éviter de le cogner. Il envoie des ondes sonores et il les envoie par un appareil de sonar fixé au fond du bateau, et il les accueille par un hydrophone en dessous. En connaissant la vitesse à laquelle les ondes étaient accueillies par l'autre appareil, et en connaissant aussi la vitesse du son dans le milieu, ça nous permettra de connaître à quelle profondeur se trouve cet obstacle. Aussi, quand on parle des bancs de poissons, les bancs de poissons, on peut dire, c'est comme les troupeaux de poissons qui se promènent dans l'endroit et que les bateaux de pêche essaient de les retrouver pour pêcher les poissons qu'ils veulent. Donc, ils envoient aussi des ondes sonores, et quand ça cogne à ces bancs de poissons, ça leur permet de savoir que l'endroit où nous sommes est riche de poissons qu'ils cherchent. Donc, il faut connaître deux choses. Premièrement, la vitesse des ondes ultrasons dans l'eau. Deuxièmement, l'intervalle de temps entre l'émission et la réception du son, aller et retour. Et comme ça, on pourra estimer à quelle distance se trouve l'obstacle, peu importe le genre d'obstacle. Donc là, on voit bien de cette équation, on a la profondeur d est égale à la vitesse v fois le temps de l'écho sur 2. Quelques animaux, comme par exemple les baleines et les chauves-souris, le bon Dieu les a créés avec ce caractère qui leur permet d'émettre des ondes et de les recevoir. Comme ça, ils arrivent à trouver leur proie, par exemple pour les baleines, et aussi pour éviter de cogner les parois ou les arbres comme les chauves-souris. On voit bien que les chauves-souris, si vous avez déjà vu des chauves-souris, ils s'envolent la plupart du temps dans la nuit ou dans l'obscurité. Ils voient pas réellement où il faut passer, mais ils n'ont jamais heurté un mur. Et ils se trouvent dans des endroits où il y a plein de murs, plein d'arbres. Donc, ils arrivent avec ce genre d'émission d'ondes sonores à éviter les obstacles durant leur vol. Encore un autre usage des ondes sonores, c'est détecter les défauts industriels. Par exemple, quand on parle de canalisation de gaz naturel, imaginez que dans les canalisations de gaz naturel, qu'il se passe un trou, par exemple, et qui commence à fuir. Et là, ça peut faire une explosion qui peut détruire tout un quartier. Donc, il faut savoir où se trouve le trou pour le réparer le plus vite possible. Et là, on va pas
excaver tout le sol pour sortir les canalisations, non, avec des appareils de sonar, ça nous permet d'estimer l'endroit où se trouve le trou, creuser et réparer vite fait le trou, et comme ça on évite une catastrophe. Les canalisations de gaz naturel de l'intensité, par exemple, à partir de la connaissance de l'intensité ou l'amplitude des ondes réfléchies, ce trou, il va nous, le trou, il sera connu par les appareils, et on peut éviter, la catastrophe. Encore, un dernier usage, c'est les investigations médicales. Les ondes ultrasonores sont utilisées dans les investigations et dans la précision du genre de l'embryon basée sur la puissance des différents organes de réfléchir les ondes. Même quand on essaye de trouver ou de savoir s'il y a une certaine maladie, par exemple une tumeur, on peut le voir aussi avec les ondes ultrasonores, basées sur toujours la même chose, le caractère de chaque tissu dans l'organe, d'émettre ou de réfléchir les ondes ultrasons.